Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti! Donc on va commencer avec la trousse. Donc voilà la trousse. Donc c'est une trousse rose pastel avec écrit Dream et une étoile. Donc c'est rose pastel en velours et les tirettes sont en doré. Et le derrière comme ça. Donc pour cette année, j'ai préféré prendre une trousse avec deux compartiments pour qu'il y ait beaucoup plus de place. Donc dans le premier compartiment, il y a quatre fluos. Voilà les quatre fluos. Il y a un fluo jaune, vert, bleu et rose. Ensuite, il y a une autre pochette de fluos. Mais cette fois-ci, un fluo brun, deux fluos bleus et un fluo rose. Donc c'est dans une petite pochette comme ça. Et c'est des tout petits petits fluos. Voilà, avec des petits dessins là-dessus. Voilà. Ensuite, on passe au crayon ordinaire. Donc, j'ai deux crayons ordinaires basiques blancs. Comme ceci. Et ensuite, j'ai des crayons ordinaires des couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'en ai sorti un pour bien vous montrer, donc ils sont bien pailletés et avec une gomme au bout. Ensuite, on va passer à tous les bics. Donc j'aime bien les bics, c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup. Donc j'ai un bic avec 8 couleurs, toutes les couleurs différentes. J'ai pris un lot de 3 mini bics. Je trouve ça beaucoup plus mignon. J'en ai pris un bleu, un rose avec un peu de doré. Le bleu, il y a aussi un peu de doré. Et un complètement doré. Et ils écrivent tous les trois en bleu foncé. Et pour le dernier bic, c'est un bic doré pailleté, comme ceci. Celui-là, c'est un normal, un de taille normale. Il est écrit aussi en bleu foncé. Ensuite, j'ai pris mon stylo de la marque Friction. Voilà. Donc, c'est les stylos qui s'effacent avec une genre de petite gomme au derrière, comme ça. Donc, voilà pour mon petit stylo. Donc, c'est ma marque préférée. Presque toutes les années, je prends un stylo de cette marque avec trois petites cartouches. Ensuite, j'ai une gomme comme ça de couleur rose marbré avec un petit cœur. J'ai une latte. Donc cette fois-ci, j'ai pris une latte de 15 cm mais qui se transforme en 30 cm quand on la déplie. Au moins, c'est beaucoup plus facile de faire passer la latte dans la trousse. J'ai pris un ciseau comme ça, donc c'est un normal noir basique. J'ai pris un compas comme ça dans une petite boîte. Je vais ouvrir la boîte. Si j'y arrive. Il y a du papier collant, donc pour ça je prends le ciseau. Et voilà. Donc j'ai pris un compas gris. Comme ça. Avec un petit lot de mine. Presque tous mes articles pour l'école viennent de chez Emma. Voilà, donc je vais refermer la boîte. Donc voilà pour mon compas. Ensuite, on va passer au Tipex. Donc j'ai pris un Tipex comme ça, en souris. Et j'ai pris des Tipex liquides. Ensuite, on va passer au deuxième compartiment. Donc, dans le deuxième compartiment, j'ai mis tous mes marqueurs et mes crayons. Donc
j'ai toutes les couleurs, un marqueur et un crayon. C'est des accessoires basiques. Voilà. Maintenant, je prends ma petite colle Prit. Donc, c'est la marque Prit. Donc, j'ai pris une colle de 22 grammes pour pas qu'elle soit trop grande. Voilà, une colle transparente. Ensuite, j'ai pris des petits bics comme ça, encore des bics. Mais cette fois-ci, deux couleurs. J'ai pris toutes les couleurs basiques et toutes les couleurs pailletées. Dans une petite boîte comme ça, moi c'est beaucoup plus facile à transporter. J'ai pris aussi une petite boîte comme ceci, avec écrit Good Time et plein de petites cœurs roses. Avec des post-it. Donc j'ai pris un grand post-it, un grand bloc de post-it rose et plein de petits post-it. Comme ça. J'ai pris une équerre bleue et des petits marque-pages aimantés. Ça j'aime beaucoup, c'est très 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 pratique. Donc voilà, j'en ai pris un marbré, un noir avec écrit Dream en rose, un autre petit marbré mais rose cette fois-ci, et un bleu avec écrit Balance, avec un petit cœur rose. Maintenant on va passer au cahier, au classeur, voilà, au fard. Donc j'ai pris un grand classeur avec un diamant en argent, enfin de couleur argent, argenté, un et rose pastel comme ça, avec des petits anneaux. Donc j'ai pris un petit classeur comme ça. J'ai pris une farde en plastique comme ceci, rose avec plein de petites taches brunes et noires. Ici les élastiques sont rose gold, voilà, et à l'intérieur c'est comme ça, pour mettre toutes les feuilles de brouillard. J'ai pris aussi un petit cahier comme ça, avec écrit Imagine en rose, et c'est de couleur marbré. J'aime beaucoup la couleur marbré, enfin j'aime beaucoup le marbré, donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup d'accessoires marbrés. Le petit élastique est aussi en rose gold, comme l'écriture. Les petits anneaux sont aussi en rose gold. Et à l'intérieur, il y a des pages lignées. Comme ça. Et ce qui concerne le cartable, j'ai pris le même que l'année passée, parce qu'on n'a pas beaucoup eu école. Donc j'ai repris le même. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de l'année passée, je vous remontre mon cartable. Donc c'est un cartable de couleur brun comme ça. Donc c'est de la marque Herschel. Donc voilà, les tirettes sont en or, de couleur or. Il y a une petite poche devant pour mettre la trousse ou la boîte à tartines. Deux petites poches de chaque côté, j'arrive plus à parler. Et à l'intérieur, c'est de couleur rouge ligné, comme ceci. Voilà. Donc voilà pour le cartable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus, d'activer la petite cloche et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous.